Bonjour à tous, merci beaucoup de votre présence. Jean-Marc, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Marina, ravi de vous retrouver. De l'actualité, on va parler bien sûr de la crise sanitaire qui ne cesse de s'aggraver, notamment en Île-de-France. Et on parlera avec Géraldine Zamonski de la solution, bien sûr, qui est la vaccination. Oui, on fera le point sur à quel moment on est protégé et est-ce qu'on peut un jour tomber le masque. Et toujours dans l'actualité, nous recevrons le juge Édouard Durand, coprésident de la commission sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Et puis dans les chroniques, on va revenir sur une page difficile de notre histoire avec Oriane Loiseau. On va parler de ces essais nucléaires qui ont eu lieu en Polynésie française dans les années 60. Exactement, avec toute la question des doses reçues par la population, mais aussi par les militaires et des conséquences potentielles sur leur santé. Et puis le net sera passé en revue avec vous, Emma Strack. Oui, on va écouter notamment les anciens présidents américains qui s'impliquent dans la campagne de vaccination. Et puis on va parler solidarité et inclusion aussi. Et puis in vivo, nous retrouverons Jennifer qu'on a découvert hier. Cette jeune femme a perdu 70 kilos après une chirurgie bariatrique. Mais du coup, la peau évidemment de son ventre est très distendue. Et aujourd'hui, eh bien, c'est l'intervention chirurgicale. Et enfin, le docteur sera consacré à la myopie. Nous verrons comment prévenir son aggravation. C'est par un système de petites alvéoles, quasiment invisibles à l'œil nu, que ces verres évitent l'aggravation de la myopie. Commercialisés en France depuis septembre, ils ont fait leurs preuves. N'hésitez pas à laisser vos messages au 41 555 allodocteur.fr, hashtag SantéF5. On commence avec l'actualité. Tous les voyants sont au rouge, la situation sanitaire est de plus en plus critique en France. Dans certaines régions, la flambée de l'épidémie de Covid-19 semble à nouveau hors de contrôle. C'est le cas en Île-de-France, où les hôpitaux sont débordés. Et sur les 4651 malades de la Covid-19 actuellement en réanimation, 1382 sont hospitalisés en Île-de-France. Le directeur de l'assistance publique hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, a déclaré hier dans un tweet qu'il s'agisse des entrées en réa ou en hospitalisation conventionnelle, nous n'avions pas connu un nombre d'entrées aussi haut en 24 heures depuis la première vague. L'Agence régionale de santé d'Île-de-France a demandé aux hôpitaux de déprogrammer 80% des interventions afin de libérer des places pour accueillir les patients Covid. Des déprogrammations qui ne sont pas sans conséquences. Oui, les services hospitaliers doivent s'organiser et les patients sont contraints d'attendre une nouvelle date pour une intervention qui était parfois programmée depuis longtemps. Et ces déprogrammations pourraient entraîner des pertes de chance pour les patients. Qu'en est-il pour les malades qui souffrent d'un cancer? Les réponses avec Anaïs Plateau, Alexandra James et Hervé Droguet. Comme une triste impression de déjà-vu. Dans les hôpitaux, on cherche toujours plus de lits disponibles pour accueillir des patients Covid. Hier, le directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France s'est exprimé sur Twitter. Le palier 4 est enclenché, il faudrait atteindre dans les prochains jours 2250 lits de réanimation disponibles. Pour y parvenir, on parle désormais de 80% de déprogrammation. Ce chirurgien urologue essaie d'y aller progressivement. De 20% cette semaine, il va passer à 50% de déprogrammation la semaine prochaine. Le mot d'ordre dans son service, éviter au maximum la perte de chance des patients suivis. À partir de la semaine prochaine, conscient de la montée du nombre de patients en Covid et de la nécessité d'avoir de la place en réanimation, on va réduire l'activité. On va passer de 12 salles à 6 salles, de façon à ce que tous les moyens libérés puissent être dédiés à l'accueil des patients Covid. Et donc, avec les 6 salles restantes, c'est suffisant pour assurer toute la cancérologie de tout le centre sans retard de prise en charge. Pas de patients atteints par le cancer impactés pour le moment ici, mais à 80% de déprogrammation, toutes les pathologies risquent d'être touchées. Une situation critique pour certains patients et notamment pour les malades du cancer qui subissent déjà depuis un an des retards de diagnostic et de prise en charge. Aujourd'hui, une évaluation conservatrice, plutôt à minima, évalue à 13 500 le nombre de personnes qui mourront dans les 5-6 ans qui viennent de cancer, alors que ces personnes n'auraient pas dû en mourir. Pour le moment, ce chiffre ne reste qu'une projection. Selon l'Agence régionale de santé, en Île-de-France, on devrait atteindre environ 1500 patients Covid en soins critiques d'ici la fin de semaine. Et la campagne de vaccination se poursuit, elle doit même s'accélérer dans les prochains jours avec l'ouverture de vaccinodromes. Pour l'instant, près de 10% des Français ont reçu au moins une dose et moins de 4% ont reçu les deux doses. Alors la vaccination soulève de nombreuses questions. À partir de quand les personnes qui ont reçu une dose sont-elles protégées? Doivent-elles continuer à respecter les gestes barrières? Et est-on complètement protégé quand on a reçu les deux doses de vaccin? Eh bien, on va essayer de répondre à toutes ces questions dans le focus du jour.
Géraldine Zamanski, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à la rédaction et vous allez nous aider à y voir plus clair. Alors, je vais essayer, grâce à l'aide du professeur Elisabeth Bouvet, qui est présidente du comité des vaccinations à la Haute Autorité de Santé. Elle m'a aidé à faire un petit peu le point sur toutes les données disponibles sur ces questions. On va commencer par les personnes qui, par la force des choses, faute de temps, n'ont eu qu'une injection du vaccin AstraZeneca. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de 2 et surtout 3 semaines, mais attention quand même, 2 et surtout 3 semaines, elles commencent à avoir une bonne protection. Cette protection devient même excellente pour les formes graves, pour éviter une hospitalisation. Et ça, ça tient même face aux variants sud-africains. En revanche, l'efficacité de ce vaccin AstraZeneca tomberait même après 2 injections à 10,4% pour éviter une forme modérée de la maladie face aux variants sud-africains. Donc ces personnes doivent continuer à se protéger et à faire bien sûr les gestes barrières. Ben oui, malheureusement, surtout dans les zones où ce variant sud-africain circule beaucoup, comme Mayotte ou la Moselle par exemple. Oui. Et là, ben, il faudra même peut-être continuer à être vigilant après la seconde et dernière dose. Donc garder le masque si on veut éviter non seulement l'hospitalisation, mais tout simplement de tomber malade. Cette vigilance, elle doit rester aussi pleine et entière dans les 2 semaines qui suivent pour les personnes qui reçoivent la première injection d'un vaccin à ARN, c'est-à-dire soit Moderna, soit Pfizer. Après ces 2 semaines, bon là il y a un début de protection, pardon, au bout de 2 semaines, et c'est seulement après à nouveau 2 semaines, mais derrière la seconde et dernière injection, qu'on atteint les fameux très hauts taux de protection au-delà de 90%. Et ça, ça tient dans la vraie vie, on l'a pu le suivre pour le vaccin. Pfizer en Israël. Alors, ce qui veut dire, après les 2 injections de vaccin à ARN, qu'on enlève le masque ? On aurait adoré pouvoir promettre ça aux personnes entièrement vaccinées. Malheureusement, même si les vaccins à ARN ont montré là encore des meilleurs résultats que celui d'AstraZeneca face aux variants, eh bien, ils sont quand même un peu fragilisés. Donc, le risque est diminué, mais pas entièrement supprimé. Et le problème, à l'heure actuelle, hein, comme me l'a dit le professeur Bouvet, c'est qu'on manque encore vraiment de données dans la vie réelle pour pouvoir dire oui, c'est bon, on est protégé ou pas. Donc, mieux vaut garder le masque dans toutes les situations à risque, les transports, un open space comme on le voit ici, ou quand on fait ses courses, ou quand on rencontre tout simplement des personnes extérieures à son foyer. Et pour les situations plus intimes, le fameux moment entre grands-parents et petits-enfants. Bon, si les grands-parents craquent qu'eux-mêmes, ils ont du mal à vivre avec le masque, eh bien, ça serait peut-être quand même bien même qu'une fois qu'ils sont vaccinés, que les petits-enfants, si jamais ils sont porteurs du variant, ils gardent, eux, leur masque pour recevoir le bisou de papy ou mamie. Bon, et puis il y a la question cruciale, c'est de savoir qu'une fois qu'on est vacciné, est-ce qu'on est encore capable de transmettre le virus ? Voilà, alors sur ce point, les données commencent à affluer, hein, avec justement grâce aux observations en vie réelle, en Israël et ailleurs. Et là, le vaccin Pfizer, par exemple, on a pu le constater en Israël, réduirait de plus de 90% le nombre de personnes porteuses asymptomatiques. Et on sait qu'elles sont cruciales, parce qu'évidemment, elles vont très bien et elles peuvent propager le virus. Donc c'est un bon indice de réduction du risque de transmission. Mais là encore, on n'est pas à 100%, et je vais radoter, encore moins sans doute face aux variants. Donc, l'idée, en fait, aujourd'hui, malheureusement, c'est que la liberté, elle commence surtout entre personnes qui sont déjà entièrement vaccinées. D'ailleurs, c'est dans ce sens que vont les recommandations du CDC, l'Agence de santé publique américaine. Elle dit « Ok, feu vert pour les dîners, les réunions entre personnes entièrement vaccinées, sans masque, peut-être aussi avec ceux qui n'ont vraiment aucun risque de faire une forme grave. L'objectif, c'est vraiment en fait de motiver ceux qui seraient réticents à se faire vacciner. Bon, en France, on n'a pas encore l'équivalent de ces recommandations. Ça serait peut-être bientôt publié par le Haut Conseil de Santé publique. Merci beaucoup, Géraldine, même si tout ne devient pas bleu devant nous quand même. On aimerait faire mieux, mais c'est un défi. Voilà, merci beaucoup. Merci. Depuis le mois de janvier et la parution du livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, la parole des victimes d'inceste se libère en France. Et dans le même temps, une commission indépendante inceste et violences sexuelles faites aux enfants a été créée. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Édouard Durand, qui co-préside cette commission. Édouard Durand, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes également juge des enfants au tribunal de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, et co-auteur de ce livre « Violences sexuelles, en finir avec l'impunité ». C'est publié chez Dunod. Quel est l'objectif précis de cette commission ? Lorsque le président de la République, le 23 janvier dernier, a désigné Nathalie Mathieu et moi-même pour prendre le pilotage de cette commission indépendante, vous vous souvenez qu'il a dit que la société devait apporter à la parole des victimes
une grande considération, une considération collective. C'est notre première mission. Signifier à toutes les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles que la société est prête à les écouter. Et ensuite, respecter cette parole, c'est en faire quelque chose de positif en termes de politique publique, c'est-à-dire proposer ce que Ernestine René, qui dirige avec moi le livre dont vous venez de parler, appelle une culture de la protection. Donc la libération de la parole, ça c'est quelque chose d'essentiel, d'important. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on protège les enfants victimes ? Alors il y a plusieurs manières très importantes de protéger les enfants qui ont subi des violences sexuelles. La première, c'est que, vous savez, on dit souvent aux victimes de violences, et notamment aux enfants victimes de violences sexuelles, vous devez parler. Mais ce qui compte, c'est que ce soit la société qui parle, qui aille chercher la parole des enfants, particulièrement par les professionnels qui représentent la protection. Les enseignants, les institutrices, les assistantes sociales scolaires, les juges, les pédiatres. Poser la question de la violence, c'est la première chose, car quand on sait que lorsque on organise dans des groupes d'enfants des espaces de discussion sur le corps, la violence, la loi, il y a toujours des enfants qui révèlent des violences. Mais ensuite… Juste, est-ce qu'ils sont suffisamment formés, et notamment la problématique de l'inceste, parce qu'on sait à quel point la libération de la parole dans le domaine de l'inceste par l'enfant est encore plus complexe, hein. Oui, alors vous avez raison, il faut absolument que, si nous attendons de nos professionnels, et notamment à l'école, qu'ils aillent chercher la parole des enfants pour les protéger, qu'ils soient formés et outillés pour le faire. Et je vous signale d'ailleurs qu'un groupe de travail est en cours au sein de l'éducation nationale pour arriver à armer les institutrices, les assistantes sociales, les psychologues scolaires, pour qu'ils aillent vers la protection des enfants encore davantage. Et lorsque les enfants parlent, justement, comment les accompagner? Une fois que la parole est libérée, comment accompagner ces enfants? Il me semble que la première chose, la plus importante, lorsqu'un enfant révèle les violences qu'il a subies, quelles que soient ces violences, mais particulièrement quand il s'agit de violences sexuelles et même d'inceste, c'est de reposer la loi. Vous savez que face à toutes les violences, il y a toujours ce qu'on appelle la stratégie de l'agresseur. Et la première arme dans la stratégie de l'agresseur, c'est d'inverser la culpabilité. C'est de ta faute, c'est toi qui l'as cherché. Et toute personne, notamment quand c'est un professionnel de la loi, doit remettre la loi à sa place. Il n'avait pas le droit. Ça veut dire que les adultes doivent croire ces enfants lorsqu'ils parlent. Oui, c'est très important, pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous savons, l'état des connaissances nous le montre, que les fausses dénonciations de violence, et tout particulièrement quand ce sont les enfants qui parlent, sont extrêmement marginales et résiduelles. La seconde, c'est que le risque que nous courons n'est pas d'inventer des violences, mais au contraire, de ne pas protéger les enfants que nous voyons dans nos espaces professionnels et nos espaces de vie. Et enfin, nous savons aussi que lorsqu'un enfant victime révèle des violences et qu'il perçoit qu'il n'est pas cru par l'adulte qui l'écoute, est soumis à un risque d'effondrement psychique. Vous parlez dans votre livre, et c'est le titre de votre livre, en finir avec, le sous-titre de votre livre, En finir avec l'impunité, donc de cette impunité des agresseurs sexuels. C'est vraiment une particularité de l'agression sexuelle, cette impunité. Oui, les chiffres nous le montrent, hein, le très grand nombre catastrophique et effarant des faits de violences sexuelles faites particulièrement aux femmes adultes et aux enfants. Ensuite, un nombre très, très, très massif et trop important de classements sans suite lorsque des plaintes sont déposées, de l'ordre de 70%. Et enfin, un nombre très, très faible de condamnations pénales, de l'ordre de 1000. Donc, nous avons beaucoup de progrès à faire et toutes les institutions sont volontaires aujourd'hui parce que ce qui est très important, vous avez parlé de la libération de la parole, mais il y a un autre fait majeur qui caractérise ce moment que nous vivons, c'est que la société se sent responsable de donner une protection lorsque cette parole se libère. Alors, on lançait un appel à témoignages via la commission d'ici cet été. Quel est l'objectif ? Vous savez que lorsque Adrien Taquet, le secrétaire d'État à la protection de l'enfance, l'été dernier, a dit qu'il souhaitait mettre en place cette commission, il s'inspirait aussi des travaux de l'Église de France et de la commission présidée par Jean-Marc Sauvé. Cet appel à témoignage a un sens extrêmement important, puisqu'il vient dire que cette libération de la parole doit recevoir de la part de la société, des institutions et en termes de politique publique, une écoute attentive, respectueuse et volontariste. Et donc, nous allons nous adresser aux personnes qui ont subi des violences pour leur dire que nous sommes en capacité de recevoir leurs paroles pour que cela serve une culture de la protection.
Alors, l'Assemblée nationale vient de voter un texte qui fixe à 15 ans l'âge en dessous duquel un enfant est considéré non consentant pour un acte sexuel avec un adulte. C'est 18 ans en cas d'inceste. Donc l'objectif, bien sûr, c'est de renforcer la protection des mineurs contre les violences sexuelles. C'est un bon début. Oui, indéniablement, vous avez raison. C'est une avancée qu'il faut saluer. Et lorsque cette loi sera votée, elle va apporter une protection réelle aux enfants victimes de violences au cours de l'enquête pénale et des procès. Il n'y aura déjà plus de discussion sur le consentement éventuel. Oui, nous nous sommes rendus compte, à la lumière d'affaires judiciaires qui ont heurté la conscience collective, que la loi imposait aux policiers, aux gendarmes, aux avocats, aux procureurs, aux juges, de se poser des questions qui n'avaient pas lieu d'être quand il s'agit de violences. Sur un enfant de 11 ans, est-ce qu'elle était consentante ou pas? Absolument. Ce qu'il faut voir, c'est l'asymétrie entre l'adulte et l'enfant, et que l'acte sexuel, qui est par l'adulte une perversion du besoin de sécurité de l'enfant, cet acte sexuel ne pourrait pas avoir lieu si l'enfant n'était pas contraint par l'adulte. Merci beaucoup. Je rappelle Merci. Votre livre « Violence sexuelle, en finir avec l'impunité », c'est chez Dunod. Merci. Merci. C'est la fin de ce journal. Tout à l'heure, dans In Vivo, nous allons retrouver Jennifer. La jeune femme a perdu 70 kilos après une chirurgie bariatrique et à présent, sa peau est très distendue. Il faut opérer et c'est le grand jour. Et puis, dans Allo Docteur, nous répondrons à toutes vos questions sur la myopie. D'où vient la myopie? Comment prévenir son aggravation? Eh bien, n'hésitez pas à poser toutes vos questions au 41 555 allodocteur.fr hashtag santéf5. D'abord, c'est l'heure de nos chroniques. Dans quelques instants, avec Oriane Loiseau, on reviendra sur les essais nucléaires qui avaient eu lieu en Polynésie française dans les années 60. Rebonjour Oriane. Rebonjour. Et on commence avec Emma Strack et sa chronique bien-être. Emma. Bonjour Marina, bonjour Jean-Marc. On va parler inclusion et solidarité, mais d'abord, on prend la température de la crise sanitaire. Et notamment sur les réseaux sociaux, notamment où les soignants témoignent en nombre. Alors je voulais partager certains messages avec vous. Une journée de fou niveau Covid pour cette interne. Grosse impression de déjà-vu au service d'accueil des urgences, SAU, et dire qu'on la voyait monter depuis janvier, et donc ce qu'on voyait monter, ça fait référence à cette fameuse troisième vague qui est décrite par un autre médecin lors d'une garde aux urgences le week-end dernier. Voir la troisième vague en direct, c'est impressionnant. J'avoue être dépité, intuber une patiente de 47 ans sans aucun antécédent et sans facteur de risque quand on l'a induite. Elle a pleuré, voilà, alors on le dit, on le redit. Je vous montre deux messages, en réalité, il y en a énormément qui viennent témoigner de ce qui se passe dans les services d'urgence et de réa. Ce virus, il frappe au-delà des personnes âgées, des personnes qui sont atteintes de comorbidité. Donc en attendant la mise à disposition du vaccin pour tous, il nous reste à respecter les fameux gestes barrières pour limiter sa transmission. Alors la vaccination, justement, c'est un sujet, on parle beaucoup en France, mais également de l'autre côté de l'Atlantique. Exactement. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais montré la campagne de vaccination française qui va nous permettre, je l'espère, de retrouver une vie normale. Et finalement, la campagne américaine, elle surfe à peu près sur le même thème. Là, vous voyez la vidéo, on voit une grand-mère qui peut à nouveau faire des gros câlins à ses petits-enfants chéris. Alors, c'est pas encore pour tout de suite, c'est ce que vous disait Alain Fischer, le responsable du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale la semaine dernière. C'est ce que vous disiez tout à l'heure avec Géraldine, on garde l'espoir, mais il va encore falloir être un petit peu patient. Et cet espoir, on le retrouve toujours aux États-Unis sous une autre forme, avec une vidéo dans laquelle les anciens présidents s'impliquent toujours en faveur de la vaccination. On les écoute. Ce vaccin représente l'espoir. Il vous protégera ainsi que vos proches de cette maladie dangereuse et mortelle. Je veux reprendre le travail et me déplacer à nouveau. Pour rendre visite à la mère de Michel, pour la serrer dans mes bras et fêter avec elle son anniversaire. Ce dont j'ai vraiment hâte, c'est la journée d'ouverture au Texas Rangers Stadium, avec un stade rempli. Voilà, chacun a ses bonnes raisons de retrouver une vie normale. Donc vous avez reconnu Barack Obama, Bill Clinton et George W. Bush. On voit aussi un petit peu plus tard dans la vidéo Jimmy Carter. Donc voilà, ils se sont tous impliqués. Et à travers leurs espoirs, ils invitent évidemment tous les citoyens, quand ce sera possible, parce qu'évidemment c'est comme chez nous, quand ce sera possible, à se faire vacciner. Je voulais vous préciser que vous avez constaté que Donald Trump n'apparaît pas dans la vidéo. Il a longtemps été sceptique, mais il faut quand même préciser que depuis, d'ailleurs assez récemment, il a invité
inciter ses partisans aussi à se faire vacciner. D'ailleurs, il s'est lui-même fait discrètement, mais quand même vacciné. Voilà. On passe à un autre sujet, puisque c'est aujourd'hui la journée de l'égalité salariale. Il y a encore un peu de travail. C'est ça. Et je voulais vous montrer le travail d'une agence belge à cette occasion, qui concerne alors à la fois l'inégalité salariale et finalement peut-être son explication. L'une de ces explications, c'est la fameuse charge mentale. Alors à la fois on quitte le Covid et en même temps on reste un petit peu quand même dans l'air du temps en parlant du télétravail. Et je vais vous montrer des images qui sont assez parlantes, qui mettent en lumière l'inégalité homme-femme à la maison. Donc vous voyez, c'est une photo avec une pause longue sur laquelle on voit la femme qui s'agite dans tous les sens entre la cuisine, les enfants, son ordi et l'homme impassible devant son écran, donc attelé à sa tâche unique qui est celle de travailler. Voilà, c'est assez édifiant. Ça vous fait moins rire que Marina, Jean-Marc? Non. Moi, je fais la cuisine, etc. Donc, non. En tout cas, ça m'a fait penser à ces mots de Simone de Beauvoir. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Eh oui. Alors, un peu de solidarité maintenant avec une tombola un peu particulière. Elle est organisée par le Secours Populaire qui vient en aide aux personnes précaires. Et en ces temps de crise, ça concerne beaucoup de monde et notamment les jeunes adultes. Alors, c'est une tombola qui fonctionne en gagnant-gagnant. C'est-à-dire que vous pouvez, en participant, remporter des lots. Donc, vous voyez ici un concert privé de Francis Cabrel, la tenue de scène de Vanessa Paradis, pourquoi pas le livre de recettes dédicacées de Thierry Marx ou encore le sac à main de Catherine Deneuve. Tout ça pour dire que vous pouvez participer. Bah, il est où, le sac à main? L'a pas vu? Non, bah non. Il faut participer pour venir le voir. Voilà. Et vous pouvez participer jusqu'à demain. Donc, allez-y. Et on va terminer avec une vidéo réjouissante. Ah oui, on la doit à une association italienne pour l'inclusion des personnes atteintes de trisomie 21. C'est un clip musical auquel le chanteur Sting a prêté sa voix. Et c'est finalement une belle histoire. Je vous propose de regarder le début ensemble. The big eyed Simone, and everybody saw that she could do the job. The lawyer went to the baker and saw Simone at work. The lawyer hired John because the baker hired Simone. The baker hired Simone. Vous avez compris le principe, hein. Ouais, c'est très joli, ça fait toujours plaisir d'entendre Sting en plus. Et donc c'est un cercle vertueux qui consiste à montrer que c'est souvent la peur de l'autre et l'inconnu qui va générer de l'inclusion, mais qu'à la différence de ça, si on fait confiance et qu'on voit que ça marche, on a envie de participer à ce monde-là. Et ça me fait trop plaisir de terminer oui, là-dessus. C'est bien. Oui, c'est hyper positif. C'est super. Oui. On va maintenant passer à quelque chose de moins positif. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Avec vous, Oriane, puisqu'on va se pencher sur un sujet très sensible, sur les essais nucléaires qui ont été menés par l'armée française en Polynésie. Avec cette question, évidemment, est-ce que les habitants, les vétérans, l'environnement de ces îles ont été empoisonnés et à quel point ? Exactement. Et pour commencer, un petit rappel, pour bien poser les choses, tout se passe donc en Polynésie, un ensemble d'atolls loin de la métropole, en plein milieu du Pacifique Sud, et plus précisément au niveau des deux atolls ici en rouge, dont l'atoll de Moruroa. La première bombe atomique, vous allez pouvoir la voir sur ces images, elle explose le 2 juillet 1966. Et à partir de là, l'armée française va réaliser pas moins de 46 essais nucléaires à l'air libre jusqu'en 1974. Des essais qui ont encore des répercussions aujourd'hui, puisqu'une partie de la population, mais aussi des militaires présents sur place, craignent d'en subir encore les conséquences. C'est le cas notamment de Jean-Pierre Billard, que j'ai pu rencontrer. Il a passé un an au niveau de l'île de Moruroa, mais aussi sur un navire. Il a pu assister à 5 tirs nucléaires et même prendre quelques photos. Vous pouvez regarder. On allait à 40 km en pleine mer. On sortait de la cuisine avec le tablier, on montait sur le pont. On n'avait pas de lunettes, on n'avait pas de combinaison spéciale, on n'avait rien de tout ça. Au moment du tir, on avait un flash énorme. On avait les yeux fermés, dans le bras, dans le creux du bras, retourné comme ça. Vous voyez, si la bombe pétait là, derrière là, et on était comme ça. Et on est, voilà. Et c'était les seules protections? C'est la seule protection qu'on avait. On était en short, en tongs, et voilà. C'est des images absolument incroyables. Et est-ce que ça a eu des conséquences justement sur la santé de Jean-Pierre? Eh bien, ce qu'on sait en tout cas, c'est que depuis son retour en France, Jean-Pierre, il a développé un asthme sévère, mais aussi un cancer du poumon. Désormais, il est parfois sous oxygène jusqu'à 16 heures par jour pour pouvoir respirer correctement. Il a aussi eu des tumeurs au niveau des reins, du côlon. Et pour lui, tout ça est lié aux radiations auxquelles il a été exposé lors de son séjour en Polynésie française. C'est une crainte que partagent d'autres vétérans, mais aussi une partie de la population polynésienne. Alors, que disent les autorités à ces populations ?
Eh bien, la réponse des autorités, c'est la loi Morin, adoptée en 2010. Elle crée une indemnisation pour les vétérans ou les Polynésiens qui seraient tombés malades à cause des essais nucléaires. Pour ça, ils doivent faire une demande auprès d'un comité d'indemnisation qui vérifie plusieurs conditions. D'abord, avoir une des 23 pathologies reconnues comme pouvant être induites par les radiations, une leucémie par exemple, un cancer du poumon ou encore de la thyroïde, mais aussi ils vérifient s'ils étaient bien présents sur place au moment des faits et qu'ils ont bien été exposés aux radiations. Jean-Pierre, il a déposé son dossier en 2015, il a reçu la réponse en 2018. Je vous laisse écouter. Il en résulte que vous n'avez pas été exposé au rayonnement ionisant dû aux essais nucléaires français. Après en avoir délibéré, décide de rejeter votre demande d'indemnisation. Voilà, quand on reçoit ça, on est content. Et comment il motive ça ? Eh bien, le Civen motive par plusieurs raisons. D'abord, l'armée aurait donné des consignes, ne pas consommer de denrées ou d'eau au niveau des atolls, ce qui aurait protégé les militaires. Jean-Pierre également était cuisinier, donc pour eux, il n'aurait pas été exposé forcément directement. Il a décidé, Jean-Pierre, de faire appel de cette décision. Et il n'est pas le seul à avoir essuyé un refus. Il faut savoir qu'en 10 ans, 80% des demandes d'indemnisation ont été rejetées par le Civen. Cette situation, elle est dénoncée par des associations, mais elle a aussi intéressé un journaliste, Thomas Status. Il est co-auteur du livre que vous tenez, Jean-Marc, le livre « Toxique », paru il y a seulement 15 jours. Oui. Et justement, qu'est-ce qu'on apprend dans ce livre ? Eh bien, avec un chercheur, Sébastien Philippe, Thomas Status a étudié près de 2000 pages d'archives déclassifiées par l'armée en 2013. Ça leur a permis de modéliser certains essais nucléaires, comme celui que vous pouvez voir sur ces images, où on voit le nuage d'un essai qui a touché l'île de Tahiti, ce qui évidemment n'était pas prévu. Ils ont aussi fait leurs propres calculs pour essayer d'estimer les radiations auxquelles ont été soumises la population et les militaires. C'est ce que m'a expliqué le journaliste. Ce qu'on s'est attaché à faire, et c'est plus particulièrement mon co-auteur Sébastien Philippe, qui est chercheur à l'université de Princeton, c'est qu'il a essayé de réestimer les doses de contamination qu'avaient reçues notamment les populations civiles au cours de 6 essais en particulier, qui sont jugés les plus contaminants. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'entre les estimations qui ont été faites par le commissariat à l'énergie atomique en 2006 et les nôtres, il y a une différence de l'ordre de 2 à 10 fois. Voilà. Et donc, ils ont été exposés à des doses supérieures à ce que le Civen ne veut bien le reconnaître. Voilà ce qu'on découvre donc dans ce livre, on le rappelle, de Sébastien Philippe, Thomas Status, Toxique, c'est chez PUF. Donc, on comprend bien que les populations auraient reçu de plus fortes doses, mais qu'est-ce qu'on sait précisément sur des effets sur la santé de ces radiations ? Eh bien, des chercheurs de l'INSERM se sont posé la question. J'ai pu rencontrer l'un d'eux. C'était une expertise collective, une sorte d'état des connaissances faite à la demande du ministère des Armées qui a pris plusieurs années. Leurs conclusions, ils les ont rendues en février dernier. Et la réponse, eh bien, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui. C'est impossible d'établir un lien entre les essais nucléaires et les pathologies, mais c'est aussi impossible de l'écarter, tout simplement parce qu'on manque de données. Pour eux, il faut continuer la recherche, bien mesurer les doses auxquelles la population, comme les vétérans, ont été exposés, mais aussi essayer de savoir mieux l'effet sur la santé de ces doses. L'expert que j'ai pu rencontrer a lui-même travaillé très longtemps sur ce sujet. Tout le monde est d'accord là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de seuil. C'est-à-dire que toute dose d'irradiation, même faible, augmente le risque de cancer, mais que ce risque, que cette augmentation est faible. Voilà. Et donc, pour la Polynésie, pour l'instant, en tous les cas, ce qui semblerait, c'est que pour ce qui est du cancer de la thyroïde, c'est quelques dizaines de cancers en plus, et pour l'ensemble des autres, ça serait quelques cancers en plus, probablement. Voilà. Aujourd'hui, ce chercheur travaille lui aussi à partir des documents déclassifiés par l'armée, ce qui pourrait permettre d'avoir de nouvelles données. Il faut aussi de nouvelles études pour vraiment avoir des preuves tout à fait établies. Mais il faut le préciser, toute cette recherche ne vient pas du tout remettre en cause le système d'indemnisation mis en place par l'État. L'idée, c'est vraiment d'évaluer précisément les effets sanitaires de ces essais. Merci beaucoup. Dans quelques instants, on va retrouver Jennifer qui, après une perte de poids de 70 kilos, va bénéficier d'une chirurgie. Mais d'abord, c'est Allô Docteur. Un paysage lointain qui devient flou, un livre qu'on est obligé de rapprocher de son visage pour lire. Notre Allô Docteur est consacré aujourd'hui à la myopie, un trouble qui touche près d'un Français sur trois. Pour répondre à toutes vos questions, le docteur Catherine Albouganem, qui est ophtalmologiste. Bonjour. Bonjour. On va juste avant faire un petit rappel anatomique pour qu'on comprenne bien de comment est faite la myopie. Alors voyons cet œil vu de profil et en coupe.
On voit là la cornée, la pupille et là le cristallin hein, par lequel la lumière va passer et puis va venir se projeter sur ce qu'on voit en jaune là, la rétine. Et puis le message, l'information va passer par le nerf optique qui a tout en arrière de l'œil. Alors qu'est-ce qui se passe quand on regarde quelque chose? Eh bien les rayons lumineux vont traverser donc la cornée, la pupille et puis ce cristallin donc, qui est une sorte de lentille, exactement comme le zoom d'un appareil photo. Ça va permettre de faire le point. Alors si l'image bouge, le cristallin va s'accommoder pour garder une image nette et la netteté n'est possible que si l'image est projetée directement sur la rétine, vraiment à ce niveau, sinon on ne peut pas voir net. Alors le problème dans la pathologie de la myopie, c'est qu'en fait l'œil... Ça c'est quand c'est normal. Là c'est normal, là on voit que ça se projette parfaitement. Et le problème de la myopie, c'est que l'œil est plus allongé. Résultat en fait, eh bien l'image se projette en avant de la rétine et devient floue. C'est exactement comme s'il y avait un projecteur qui projetait en avant finalement d'une projection d'un mur. Juste concernant cette question de longueur, Catherine Albouganem, les enfants naissent avec des yeux plus longs? Alors, les enfants ont des tendances à avoir des yeux plus longs. Ils peuvent avoir, dès la naissance, des yeux tout petit peu plus longs, mais c'est surtout au cours de la croissance que ça s'accentue. D'accord. Alors, on commence avec la question d'Anne. Alors, Anne, quelles sont les causes de la myopie, nous demande-t-on? Alors, c'est multifactoriel, hein, la myopie. Alors, bien évidemment, il y a des familles de myopes, on le sait, mais il y a aussi des facteurs environnementaux. Et à l'heure actuelle, on insiste beaucoup sur le problème de la lumière bleue. Et donc, de la lumière extérieure empêcherait les enfants de devenir très myopes. Alors, on ne dit pas que ça empêche complètement de devenir myope, mais en tout cas, ça ralentit l'évolution de la myopie. Mmh. Et on sait qu'aujourd'hui, le fait d'être à l'intérieur, et en particulier également de lire, c'est-à-dire d'avoir un univers, les enfants, ils ont un univers à peu près à 80 cm. Ouais. Ils n'en regardent plus la télé même. Ils sont sur leur tablette, leur téléphone portable. Et ça accentue la myopie. Et tout ça, se passant à l'intérieur, on empêche la bonne lumière bleue d'agir sur l'œil. Dans la bonne lumière bleue, il y a de la dopamine, et la dopamine empêche l'œil de s'allonger. Donc, mettez les enfants dehors quand ils sont jeunes. Ça veut dire qu'on leur offre plus des tablettes, on leur offre des ballons de foot. Exactement. C'est ça. Le message est clair. Thérèse est myope et astigmate. Elle demande s'il y a une solution pour ne plus porter de lunettes. Alors, il y a plusieurs solutions. Lentilles ou chirurgie. C'est assez simple. Marie-Lou nous demande, la chirurgie au laser, justement, corrige-t-elle la myopie définitivement? Alors, elle corrige la myopie définitivement si votre myopie n'évolue pas. Oui. Donc, en général, on opère des patients qui ont justement une myopie stable, et comme ça, ils peuvent garder effectivement cette correction à vie. Cependant, on sait aussi, puisqu'on fait de la chirurgie au laser maintenant depuis 30 ans, on sait qu'on peut réopérer des patients qu'on a déjà opérés si leur myopie évolue. Alors, il faut savoir qu'au laser, aujourd'hui, on peut tout opérer. On ne se cantonne pas à la myopie. Ouais. Donc, la myopie et l'astigmatisme, et bien évidemment l'hypermétropie et la presbytie. On va voir des images, justement, si vous pouviez nous les commenter, ça nous arrangerait. Elles devraient apparaître, voilà. Donc là, c'est un traitement au laser avec ce petit cône qui s'appuie sur l'œil. À travers le cône, il y a la délivrance de l'énergie du laser qui va permettre de retirer un petit fragment de lenticule. Alors, ce qu'il faut dans la myopie, c'est enlever un petit peu de tissu au centre de la cornée. Il faut rendre la cornée divergente, comme le sont les lentilles des myopes, c'est-à-dire plus plate au centre qu'en périphérie. Et en enlevant quelques microns d'épaisseur, on l'a vu sur l'image, en enlevant quelques microns d'épaisseur avec un laser qui vaporise le tissu ou avec ce laser qui enlève un petit lenticule, on arrive à corriger la myopie et l'astigmatisme, s'il en a un, de manière très efficace. Et ça cicatrise tout seul, ce qu'on vient de voir là? Ça cicatrise tout seul. Ouais. Alors, on nous demande justement quelles sont les contre-indications à l'opération au laser. Il y en a très peu, mais il y en a. Donc, il faut un bilan qui est assez lourd, qui demande l'analyse. Essentiellement, c'est l'analyse de la morphologie de la cornée, voir si la cornée est suffisamment épaisse, si sa forme autorise le laser. Donc, on a à peu près entre 3 et 8% de patients qui ne peuvent pas bénéficier de la chirurgie au laser. Sébastien demande si une seconde intervention chirurgicale est souvent nécessaire ou pas pour la myopie. Souvent non, mais possible oui. Parce qu'avant, on disait qu'il fallait absolument attendre que la myopie soit parfaitement stabilisée avant d'intervenir. C'est vrai. C'est ce qu'on demande aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'opère pas d'abord, on n'opère jamais des enfants mineurs. Hein. Il y a des gens donc 40 ans dans la myopie continue d'évoluer. Exactement. Et donc, à ce moment-là, on peut les réopérer. D'accord. Michel nous dit, les personnes opérées pour leur myopie pourront-elles également subir une opération de la cataracte? Bien évidemment. Et ça, c'est une idée reçue qui perdure, malheureusement, parce qu'une fois qu'on a été opéré, on ne peut plus opérer les autres problèmes qui peuvent se présenter. Le fait d'opérer la myopie au laser n'empêche rien.
C'est-à-dire que si on a une cataracte plus tard, ben on se fera opérer de sa cataracte tout à fait normalement. Mm-hmm. Si on a d'autres problèmes, on se fera opérer des autres problèmes tout à fait normalement. Problème. Florine demande si l'orthoptie peut corriger ou pas une myopie. C'est la rééducation ? Alors, la rééducation orthoptique peut corriger les problèmes oculomoteurs, mais pas la myopie. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que si on a une fatigue oculaire, d'accord, si on a des yeux qui ne travaillent pas de manière symétrique, qu'on n'arrive pas à accommoder, qu'on a une fatigue surtout qui peut être d'accord, déclarée par l'ordinateur, etc. Quand les deux yeux, sur le plan musculaire, ne travaillent d'accord pas en même temps, on peut les rééduquer, mais ça ne corrige pas la myopie. Cyril aussi nous dit, les exercices proposés dans les livres ou dans les vidéos peuvent-ils aider à corriger sa myopie ? Je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Il faudrait savoir de quoi il s'agit. En tout cas, a priori, pas de preuves scientifiques comme quoi, en dehors d'aller à l'extérieur, on pourrait corriger sa myopie. Bon. On nous demande si on peut prévenir ou ralentir la myopie. C'est, là, il y a du nouveau, on va en parler avec un reportage. Oui, ralentir l'évolution de la myopie en plus de la corriger, c'est la promesse de nouveaux verres commercialisés en France depuis septembre 2020 à destination des enfants. Comment ça marche ? Eh bien, voyez ce reportage signé Alexandra James et Christian Gallet. N. Oui. T. Très bien. À 8 ans, Valentina s'est fait diagnostiquer une myopie. Elle avait 2/10 à chaque œil. Bravo. 10/10, c'est impeccable. Depuis 2 mois, elle porte des verres un peu particuliers. Ils ne corrigent pas seulement la myopie, ils ralentissent aussi son évolution. La myopie, en fait, c'est dans l'ensemble, c'est un œil qui est trop grand. Donc, comme l'œil est trop grand, la lumière, donc l'image, n'est pas focalisée au bon endroit. Dans un œil myope, les rayons lumineux n'arrivent pas jusqu'à la rétine, mais se focalisent devant. L'œil voit alors flou de loin. Avec des verres correcteurs classiques, les rayons de la vision centrale atteignent la rétine, mais pas ceux de la vision périphérique. L'œil voit net, mais continue de s'allonger. Pour éviter cela, ces verres d'une nouvelle génération font arriver les rayons périphériques en avant de la rétine. Les autres rayons continuent de l'atteindre. L'œil ne s'allonge pas et la myopie est freinée. C'est comme une révolution d'imaginer qu'on puisse influer de façon à ce que l'œil devienne moins myope que ce qu'il ne serait initialement. Le fait d'être myope, ce n'est pas uniquement d'avoir besoin de verres correcteurs, ça peut entraîner d'autres complications, en particulier des complications qui peuvent être beaucoup plus sévères, comme le décollement de rétine. Mais on sait qu'en diminuant cette myopie, on diminue le risque des complications. C'est par un système de petites alvéoles, quasiment invisibles à l'œil nu, que ces verres évitent l'aggravation de la myopie. Commercialisés en France depuis septembre, ils ont fait leurs preuves. Alors pour ce qui est de ce verre, en fait on a 5 ans d'études cliniques. On a publié nos résultats des 2 premières années et on va publier bientôt les résultats de la 3e année. Et on obtient une différence de 60% de cette progression myopique entre le groupe porteur et le groupe non porteur. Donc ces 60% sont très encourageants. Certains enfants même aujourd'hui n'ont pas d'évolution myopique à travers le port de ce verre. Et puis on espère encore améliorer avec la recherche et le développement le verre pour qu'on atteigne encore des pourcentages supérieurs. Bonjour. Et ralentir la myopie est essentiel. La moitié de la population mondiale devrait être myope en 2050, contre un tiers aujourd'hui. Tu peux enlever ton manteau, t'enlèves ton masque, comme ça on se verra mieux dans le miroir. L'opticien va accompagner l'enfant porteur de ces verres qui demande une attention bien particulière. Donc tu sais, l'ophtalmo a dû te le dire, il faut une monture bien ronde, qui tienne bien sur le nez, qui remonte bien aux sourcils, pour que le traitement du verre soit bien efficace. C'est un accompagnement différent par rapport aux autres verres classiques, car les verres classiques, si la monture descend de quelques millimètres, ce n'est pas gênant, car toute la correction est dans le verre, alors que là, si la monture descend d'un millimètre à un millimètre près, le traitement n'est plus bon, car son œil n'est plus centré. Donc on va montrer les 3 dernières à maman. Alors, l'équipement a un coût, comptez 170 euros en moyenne le verre. Celle-là, c'est tes préférés ? Oui. Ouais. Ok, regarde maman. Aujourd'hui, ils sont près de 1000 enfants équipés en France. C'est quand même une vraie innovation, c'est une révolution. Il faut équiper tous les enfants myopes de ces verres ? Il faudrait. Il faudrait. Là, maintenant, les études commencent à prouver leur efficacité. Donc, effectivement, ça peut être une voie de recherche pour éviter que la myopie s'accentue énormément. La myopie, c'est un réel problème de santé publique. Hein. On a une évolution forte vers la myopie pour les jeunes. Hein. Oui, pour qu'on comprenne bien effectivement ce que disait ce médecin. En fait, un œil qui est trop long va tirer forcément sur la rétine qui est en arrière et donc risquer ce décollement de rétine qui peut être grave. C'est-à-dire qu'effectivement, la rétine devient de plus en plus fine et peut effectivement se décoller. C'est-à-dire
que la myopie n'est pas simplement un problème de la myopie forte, hein, j'entends très forte, de mal voir, c'est aussi les conséquences que ça peut avoir. Et ça peut empêcher certains sports. Par exemple, on pense aux boxeurs qui ne peuvent plus pratiquer si jamais ils sont très myopes, hein, à cause des décollements de rétine. Qu'on ne peut pas faire, mais les boxeurs, on a des techniques pour les opérer éventuellement. bon, je vous en enverrai quelques. Alors, est-ce que la myopie peut rendre aveugle? La myopie peut rendre aveugle par les complications qu'elle peut engendrer, effectivement. Une myopie moyenne, très exceptionnellement, mais on parlait tout à l'heure des myopies fortes, et effectivement, les problèmes, et rétiniens surtout, hein, c'est par les problèmes rétiniens surtout qu'on peut perdre la vue. On a fait énormément de progrès aussi en matière de chirurgie de la rétine, mais on peut toujours concevoir, on a des problèmes maculaires, donc on peut effectivement devenir aveugle. Benjamin nous dit, être myope est-il handicapant pour exercer certains métiers? Dans ce cas, est-ce qu'une chirurgie peut être prise en charge? Alors, pilotes, normalement, notamment. Alors, les pilotes peuvent être opérés. Il y a des professions aussi à la SNCF, il y a des professions, les pompiers, etc. Alors, après, il y a des mutuelles qui commencent à prendre en charge la chirurgie. Mais la sécurité sociale ne prend pas en charge pour les professions, pour les métiers. Alors, on peut, il faut faire une demande éventuellement, et éventuellement, ça peut passer, mais ce n'est pas prévu. D'accord. Est-ce que tous les myopes seront forcément presbytes aussi le moment venu? C'est une très bonne question, parce que là aussi, c'est une idée reçue. Tout le monde devient presbyte. Quelle que soit la métropie, le défaut de vision de départ. On devient presbyte un peu plus tard quand on est... Non, on devient presbyte à peu près à la même période. Simplement, les myopes ont l'avantage d'enlever leurs lunettes, donc ils ne se rendent pas de compte qu'ils deviennent presbytes, parce qu'en fait, ils n'ont pas les aléas, on n'est pas obligé de reculer, etc. Mais tout le monde devient, tôt ou tard, à 2, 3, 4 ans près peut-être, presbyte. Oui. Laurence demande ce qu'il faut penser des lentilles de nuit qui permettent de voir le jour sans lentilles et lunettes. Alors, ces lentilles de nuit, c'était aussi un moyen éventuellement de ralentir l'évolution de la myopie. Ça marche sur des myopies qui ne sont pas très élevées. C'est quoi le principe? Le principe, c'est de remodeler l'épithélium, c'est-à-dire que, en fait, la cornée va appuyer, la lentille va appuyer sur la cornée au centre. Mm-hmm. Ça remodèle l'épithélium, donc la surface de la cornée. Et ça a une efficacité pendant la journée. Puis pendant la nuit, on remet les lentilles, ça remodifie, ça modifie la courbure, en fait. Oui. Et ça permet de corriger le défaut de vision. Et c'est toujours utilisé? C'est peu utilisé, mais c'est utilisé. D'accord. La myopie peut-elle s'accentuer lors d'une grossesse? C'est encore une idée reçue, mais on peut écrire un livre sur les idées reçues. C'est une idée reçue, en fait, c'était une notion qui courait quand les femmes faisaient des bébés à 20 ans. Aujourd'hui, qu'elles font des bébés plutôt à 35, on s'aperçoit que ce n'est pas tellement le cas. Michel est myope et il nous dit, après l'orgasme, je vois souvent flou pendant plusieurs heures, même avec les lunettes, est-ce normal? Faut y aller doucement, non? Alors là, c'est une question piège. Je vais appeler mon ami Michel Simès. Mais comme c'est Michel qui a posé la question, je me demande si ça n'est pas lui. Mais bon, c'est possible. Hein. Non, mais... je demande le joker, je ne sais pas. Bon. Alors, je suis myope depuis 10 ans et suis sujette aux migraines ophtalmiques. La myopie est-elle responsable? Nous demande Audrey, qui a 41 ans. Alors, il faudrait vérifier qu'elle est bien corrigée. Que sa myopie, que sa presbytie sont bien corrigées, parce que les migraines ophtalmiques n'ont pas toujours une cause ophtalmologique, c'est un retentissement sur les yeux de la migraine, mais on peut avoir un point de départ avec une fatigue oculaire, une mauvaise correction et des choses comme ça. Aline nous demande pourquoi la myopie peut apparaître vers 50 ans et est-ce que c'est rare? C'est rare, elle peut apparaître vers 50 ans, alors en général, ce n'est pas une myopie par l'œil qui s'allonge, c'est une myopie par modification du cristallin. D'accord. C'est-à-dire que probablement, elle débute une cataracte. D'accord. Voilà. Neil nous dit, j'ai 38 ans, je suis myope et astigmate, et j'ai de la cataracte. Puis-je me faire opérer du tout en même temps? Bien évidemment. Oui. Et c'est ça, le challenge et l'avantage quand on opère de la cataracte. Aujourd'hui, on fait de la chirurgie réfractive, c'est-à-dire qu'on décide avec le patient quelle focale il souhaite avoir, de loin, de près, intermédiaire, et on choisit la puissance de l'implant en fonction de ce qu'il souhaite. Claire a 40 ans, elle nous demande quel est l'âge limite pour se faire opérer de la myopie et depuis combien d'années doit-on être stable, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, on demande, d'une manière générale chez le jeune, on demande une stabilité d'au moins un an pour opérer. Et autant il y a un âge limite inférieur, autant il n'y a quasiment pas d'âge limite supérieur. D'accord. On a encore le temps ou pas? Petite question. Béatrice nous dit, peut-on équiper une jeune fille de 18 ans myope de ses nouveaux verres ou bien est-ce trop tard? De ces nouveaux verres. Les nouveaux verres dont on a alors, vu. À 18 ans, ça dépend de la puissance de la myopie, si elle est encore en train d'évoluer, mais a priori, c'est un petit peu tard. Mais bon, ça, c'est encore du domaine un petit peu des études, et il y aura sûrement des études qui seront faites un petit peu plus poussées sur les différents âges. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. On va passer tout de suite à In Vivo.
retour dans le service de chirurgie plastique et réparatrice du CHRU de Strasbourg. Hier, nous avons fait la connaissance de Jennifer. La jeune femme de 35 ans va subir une abdominoplastie après une importante perte de poids. Et c'est ce matin qu'elle passe au bloc opératoire pour se faire retirer son excès de peau au niveau du ventre. Alors attention, il y a des images de chirurgie dans ce reportage d'Alice Serrano et Marc Lavastrou. Vous avez perdu combien après le bypass ? 72 kilos. Et du coup, l'abdominaux, c'est la première étape ? Oui, c'est ça. Ok. Jennifer s'apprête à subir une abdominoplastie. On va retirer à cette jeune femme de 35 ans l'excédent de peau sur son ventre, laissée par une importante perte de poids. Le dernier repas, c'était quand ? Hier soir. La dernière boisson ? À minuit moins 10. Cette opération est courante pour l'équipe de chirurgie plastique et rapide. Elle devrait durer 2 heures. Bonjour. Aux manettes, on retrouve le professeur Baudin. Voilà, c'est bon, hein. On peut y aller, je pense. Dans ces situations où on a perdu beaucoup, beaucoup de poids, il y a un excès dans les deux axes. Et donc la particularité de cette intervention, c'est d'être obligé de faire 2 cicatrices. Donc elle aura finalement une cicatrice en T inversée, avec une grande cicatrice verticale qui va du presque la zone intermammaire jusqu'au pubis, et une cicatrice horizontale classique de l'abdominoplastie. Ok, donc la première étape de l'intervention consiste à ce qu'on appelle désinsérer l'ombilic. Incision. Je dissèque l'ombilic jusqu'à la paroi musculaire. Lui, il reste à sa position parce qu'il est accroché au fond. Donc lui, il bouge pas. C'est plutôt la peau adjacente qui bouge. Donc la première étape est faite. Maintenant, on va réséquer le fuseau vertical correspondant à l'excès transversal de peau. Le chirurgien décolle minutieusement l'excès de peau et de graisse à enlever. Pour éviter des saignements trop importants, il coagule au fur et à mesure les petits vaisseaux du ventre. On a pratiquement fini le deuxième temps. On va fermer ici avec des agrafes. Donc là, il faut faire attention à être bien symétrique. Les agrafes sont provisoires. Elles permettent au professeur Baudin d'avoir une vue d'ensemble sur le haut du ventre. On voit déjà apparaître la taille de guêpe, c'est-à-dire qu'on a bien redrapé. Donc ça, on va le couper parce que ça nous gêne. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va la mettre en position légèrement assise pour juger de la tension adéquate. Là, on voit que ça ferme. Il y a un peu de tension, mais pas trop. Mon exérèse, initialement, a été dessinée là. Là, je vais changer d'avis. Et je vais la faire un peu moins haute pour pas qu'on ait trop de tension, parce que sinon, on va avoir une désunion ici. Et on va remettre la graffe là-haut. C'est aussi le côté sympa de notre spécialité. Il y a un côté improvisation, entre guillemets, qui est nécessaire. Il faut savoir s'adapter à la situation. On fait des prévisions, on fait des dessins préopératoires. Mais si pendant l'intervention, on se rend compte que le dessin n'est pas adapté, il faut changer de stratégie ou changer les tracés. On mélange la technique, l'artisanat, l'esthétique. Tout ça, ça se mélange. Donc, l'ombilic, en théorie, on devrait être là. L'ombilic étant là, il faut qu'on le fasse sortir par là. Et esthétiquement, je pense que là, on est bien. La frontière entre l'esthétique et la reconstruction est souvent très floue. Il y a toujours un peu d'esthétique dans la reconstruction et il y a toujours une souffrance dans l'esthétique. C'est très difficile de séparer les deux dans la réalité. Maintenant, on va juste faire les sutures et faire une jolie cicatrice. C'est le mélange des deux, la reconstruction et l'esthétique, qui plaît à ce médecin de 46 ans, lui qui avait hésité à devenir architecte avant de se passionner pour la chirurgie plastique. Ce que j'aime, c'est tout. C'est à la fois le côté médical, c'est-à-dire rendre service à des patients qui souffrent, qui ont des besoins, qui ont une pathologie, une maladie. Et d'un autre côté, un acte technique que je trouve très intéressant, puisqu'il se rapproche d'un côté plus artistique, tout simplement. C'est fini, on voit le résultat final. Et maintenant, on va faire le pansement post-opératoire. Le chirurgien a retiré un peu plus d'un kilo de peau et de graisse à la jeune femme. Au-delà, c'est une partie de son mal-être qui va disparaître. Jennifer va enfin pouvoir accepter son corps. Cet après-midi, le professeur Baudin doit rendre visite à Muriel. Samuel, tu viens avec moi ? Avec son interne, il va contrôler que la reconstruction mammaire pratiquée la veille est un succès. Bonjour Madame Mignon, ça va ? On peut venir vous voir ? Ouais, ça va. Donc là, ça fait à peu près 24 heures que l'intervention est finie. C'est la fin de la période la plus difficile, hein. La plus critique. Le chirurgien va vérifier que les lambeaux de peau prélevés au niveau des cuisses se sont bien vascularisés. Donc là, on voit très bien le lambeau
avec sa couleur rosée. Donc on cherche le pouls cutané, on voit qu'il est là. Donc c'est parfait. De l'autre côté, même chose, il est bien rosé. Après on regarde s'il n'y a pas un épanchement de sang avec un petit hématome. Donc le sein est bien souple. Donc tout va bien, les lambeaux sont en pleine forme. Donc en général, quand ça passe les 24 premières heures, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas comme ça. Donc là, on peut être très confiant. C'est les trois premiers jours qui sont les plus durs. Donc vous verrez, là aujourd'hui, c'est encore un petit peu fatigant. Demain, après-demain aussi. Et puis à partir de ce week-end, vous allez pouvoir retrouver votre énergie. Et on envisage une sortie début de semaine prochaine, au cinquième ou sixième jour. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. J'ai pas de douleur pour l'instant, donc je touche du bois. Et agréablement surprise de voir que ça va et que les lambeaux, évidemment, sont parfaits. Donc voilà. Je suis totalement soulagée. Maintenant, je réalise pas encore trop. Je suis encore un peu dans les vapes, mais je regrette pas du tout. Cette boule au ventre, cette crainte de la maladie qui l'oppressait depuis 8 ans a disparu. Muriel peut enfin tourner la page. Voilà, dernier épisode. Demain, ce sera une chirurgie pour un cancer au niveau de la peau du visage. Un appel à témoins. Envie fréquente d'uriner, brûlure à la miction, vous souffrez de cystite chronique. Quel traitement avez-vous essayé? Bien, partagez votre expérience avec nous en nous appelant au 01 58 88 85 21. Demain, il y aura les livres de Gérard Collard, Raphaël Aumont, on apprendra à bien cuire les yeux, et puis un dossier, les œufs évidemment, bah et, voilà. Et puis un dossier exceptionnel consacré à la greffe d'utérus et la naissance d'un bébé. Après cette greffe d'utérus, et le chef de service, le professeur Ayoubi, sera avec nous demain pour nous raconter tout cela avec ses images. Bon, j'ai hâte d'apprendre à cuire les œufs demain, donc passez une bonne après-midi. J'ai hâte de tous les dossiers, mais bon, tout sera bien, ne vous inquiétez pas. À demain. Au revoir.